Salut à toi et bienvenue dans le merveilleux monde de la vidéo. Ici, on va apprendre et progresser ensemble avec des outils et des méthodes simples pour un rendu le plus professionnel possible. On commence aujourd'hui avec la découverte de l'appli de montage LumaFusion. Juste après l'intro. Je m'appelle Miguel, la vidéo, c'est ma passion. Filmer, raconter, sublimer, c'est ce qui m'anime au quotidien. Et pourquoi ce décor, me direz-vous? Bienvenue dans mon projet de machine à téléportation, grâce auquel nous allons apprendre la vidéo à la portée de tous. LumaFusion, c'est une appli dispo sur iPhone et iPad. C'est super puissant, tu peux y aller, ça encaisse quasiment tous les formats de caméra que tu auras, 4K, tout ça. C'est aussi puissant que les plus gros logiciels de montage, mais sur tablette. C'est ça qui est dingue! Elle coûte environ 30€ pour une utilisation à vie, c'est-à-dire que si tu changes d'appareil, c'est lié à ton compte, les mises à jour sont gratuites, voilà, c'est 30€ une fois terminé. Tout se présente comme sur un logiciel de montage. Si tu connais Premiere Pro, Final Cut ou encore DaVinci, tu seras pas perdu. Sinon, on va découvrir ça ensemble, on est là pour ça. Il va falloir commencer par créer un projet, qui va être l'univers dans lequel on va travailler pour créer une vidéo. On clique ici sur le petit plus et on va lui donner un petit nom. Allez, projet 1, projet tuto. Donc ici, on peut sélectionner des premiers paramètres d'image. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va lui dire de se baser sur le premier clip vidéo qu'on ajoutera. Donc, de façon très simple, il va gérer les choses tout seul. Ici, tu as ta timeline. C'est ici que tu vas mettre tes images et tes sons bout à bout pour créer ta vidéo. En haut à droite, ici, c'est le prévisualiseur. Il te permet de voir le rendu de ce que tu as mis dans ta timeline. De l'autre côté, en haut à gauche, on a la banque d'images et d'effets. Tu as accès selon le menu que tu choisis à des images qui vont nous servir au montage, des effets de transition, des titres, des textes, etc. Si t'es pas à l'aise avec cette disposition, tu peux aller la modifier ici et en choisir une autre. C'est que de l'affichage. Perso, c'est avec celle-là que je préfère bosser. Bon, tout ça c'est bien joli, mais il y a un moment, faut bien attaquer. On va filer tout droit dans les images dont on dispose. Plusieurs choix sont possibles. Soit ils sont dans ton appareil et tu les sélectionnes ici, soit tu as préféré les enregistrer sur un Google Drive ou autre et tu vas les retrouver ici dans les importer. Dernière solution sur les nouveaux iPads en USB-C, tu peux aller chercher dans un disque dur externe les images que tu as enregistrées. C'est des choix de méthodologie, mais en général on aime bien se caler à la musique pour faire son montage. Et ça tombe bien, comme par hasard, j'en ai une de prévue. Je la prends et je la fais glisser directement dans la timeline. Donc dans la timeline se retrouve ma musique. Ok, on peut la voir ici. Si on veut, on peut réduire et agrandir la timeline pour la visualiser en entier ou zoomer dedans. Ensuite, on se déplace dans les rushs dispo et on en sélectionne un premier, on le prévisualise à droite. On sélectionne ce qu'on veut utiliser grâce aux sortes de parenthèses pour définir un début et une fin. Et on le déplace en le glissant directement dans la timeline. Oh Miguel! T'as fini de raconter ta vie un peu là? Ça serait bien de commencer les premiers tests à un moment, non? Ouais, bon, ça va, je suis à fond, hein. Au fait, t'as pensé au commutateur linéaire? Yes, y a plus qu'à laisser charger le programme, et on est bon. Voilà, j'ai fait un premier bout de montage, donc on voit mes plans qui s'enchaînent, avec la musique. En dessous, je vous l'affiche pas pour pas que ça pourrisse toute l'image. Dans un premier temps, il y a un outil qui est très simple, qui est celui de coupe, ici, avec les ciseaux que vous voyez là. Donc là, il suffit d'aller à l'endroit où vous voulez couper un plan, le sélectionner et appuyer sur les ciseaux. Il va se couper directement à l'endroit où vous l'avez sélectionné. Ça va vous permettre de réduire ou d'augmenter les plans avant et après, juste en les sélectionnant. Si vous avez fait une bêtise, vous pouvez revenir en arrière grâce à ces flèches-là. Et maintenant, on va voir des fonctions un petit peu sympas dans l'application. Ensuite, en sélectionnant vos plans, vous avez la possibilité de les dupliquer en appuyant sur ce bouton. Ça vous met le même plan au-dessus et ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça pourra nous servir pour plusieurs effets plus tard. Vous avez aussi la possibilité de séparer l'audio de la vidéo. Comme ça, la piste s'affiche en dessous et vous pouvez en faire ce que vous voulez, si vous voulez en garder qu'un bout ou l'allonger. On verra ça aussi dans de prochaines vidéos pour faire des dialogues, ça peut être très intéressant.
Ensuite, on va aller dans les options un peu plus spéciales. Vous avez la possibilité, en sélectionnant un plan, admettons celui-ci, soit en double-cliquant dessus, soit en appuyant sur ce stylo ici en bas, d'accéder aux fonctions plus spécifiques. On va pouvoir recadrer l'image, l'agrandir, la réduire, et on va pouvoir aussi y appliquer des effets de zoom avant, de zoom arrière, d'inclinaison vers le bas, faites-vous plaisir. On peut aussi la rogner. Vous avez plein de modes d'ajustement, de fondu, voilà, vous pouvez l'appliquer à 100% ou pas. Ensuite, on a un menu ici pour la vitesse et l'inversion, c'est-à-dire que vous pouvez faire un ralenti de votre image ou même carrément inverser le plan. Ensuite, on va avoir une fonction qui est vraiment très très intéressante, c'est la stabilisation. Si votre plan n'est pas top parce que ça tremble, ça bouge, vous pouvez réajuster ça avec cet onglet. Vous avez plusieurs types de stabilisation et ensuite vous pouvez aller à l'intérieur pour aller paramétrer vous-même la puissance de stabilisation, etc. Comme d'habitude, on peut régler le son propre à chaque vidéo et même y appliquer plusieurs effets que vous voyez ici. Et enfin, les effets spécifiques à l'image. C'est ici qu'on va corriger éventuellement les couleurs, la luminosité, le contraste, tout ce qui est colorimétrie de l'image. On aura aussi des effets pour faire du fond vert et tout type de déformation d'image, des effets, du cartoon, du tout ce que vous voulez. Voilà, là c'est l'éclat total. Des effets, il y en a à l'appel, donc amusez-vous. Faites-vous plaisir. Voilà, là je suis tout flou, c'est parfait. Une fois que vous avez ajouté vos plans, ce qui est sympa c'est de voir le rendu. Donc on va voir ce que ça donne ici en appuyant sur tout simplement le bouton play. Et on va voir notre vidéo, les plans qui s'enchaînent en disant ah tiens là c'est trop long, j'arrête, poum, je réduis. Hop, on va voir ce que ça donne, je reprends, etc. etc. Une fois qu'on a fait cette base, on peut ajouter par exemple des transitions. Donc on va aller dans le menu qui est prévu pour, et comme tout le reste, on va juste faire des glisser-déposer. Donc ici, je mets cette transition-là qui va me permettre de faire un fondu de mon plan numéro 1 au plan numéro 2. Voilà, à vous de voir ce qui vous plaît. Vous pouvez avoir un aperçu de la transition en cliquant dessus. Voilà, celle-là, je vais l'appliquer là, par exemple, pour voir. Tac, et voir ce que ça donne dans mon montage. Un petit fondu noir, toujours sympa. Ces transitions, vous pouvez les appliquer aussi à la musique, c'est-à-dire que vous pouvez faire un fondu en fin de chanson où le volume baisse au fur et à mesure. Pour finir, on va aller voir ce qu'on peut faire dans les titres, voilà, pour pouvoir ajouter, si on veut, du texte au début, pendant, à la fin de la vidéo. Donc, c'est très simple. Pareil, on fait un glisser-déposer. On va dedans. Menu des options, en double-cliquant. Le texte apparaît ici, on double-clique dessus et on écrit ce qu'on veut. Quoi, faut bien faire passer ces messages. Bon. Donc tout ça c'est très bien, on a fait notre vidéo, on a mis nos rushs, on a mis notre musique, on a réglé les plans, on a appliqué des effets. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à exporter la vidéo. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur cette petite icône pour partager et exporter votre projet. Vous avez plusieurs options. Les deux premières nous servent à utiliser soit simplement l'audio, soit exporter la vidéo entière. Une fois qu'on va dans ce menu d'export, on va avoir le choix des paramètres. Donc ici, on voit que je suis en 4K, car rappelez-vous, on a demandé au logiciel de se baser sur le premier fichier que je mettrai dans la timeline. La qualité vidéo, on peut l'augmenter ou la laisser comme ça, selon l'endroit où on veut la diffuser. Voilà, moi j'aime bien mettre une qualité plutôt standard. Avec un bitrate, on en parlera une autre fois, plutôt classique.
Voilà, on peut choisir des codecs, des formats MP4 ou MOV, au choix, voilà, faites-vous plaisir. On a ici une estimation du temps que l'export durera et de l'espace qu'il prendra, donc la taille du fichier final. Souvent, c'est un tout petit peu surestimé. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à appuyer ici pour exporter votre film. Voilà, on va avoir un petit état d'avancement. Et une fois que l'écriture est terminée, votre film est disponible dans vos photos. Bon, tout est ok, l'ami? T'es sûr? On y va? C'est good. On se programme un truc juste à côté de la maison, hein. Il y a des composants qu'on n'a pas fini de mettre. Ça me fait un peu flipper, quand même, hein. Non, mais il n'y a pas de raison. Ça a bien marché la dernière fois, le test avec les mouches. Geronimo! Ça a marché! La totalité de cette vidéo a été montée avec LumaFusion. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu en l'air et à vous abonner pour nous encourager à vous faire d'autres tutos.